À chaque congrès de rhinoplastie, nous discutons longuement cette question entre la voie ouverte ou externe et la voie endonasale ou fermée. Et je pense que nous ne devrions pas dépenser autant d'énergie autour de ces débats, car la voie, c'est simplement une voie d'accès. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui est fait comme technique par la suite afin d'améliorer l'aspect du nez. En effet, la seule différence entre une rhinoplastie fermée et une rhinoplastie ouverte, ce sont quelques millimètres de cicatrices qui se situent au niveau de la base de la columelle. Et il s'agit d'une zone d'ombre dont les cicatrices sont très très peu visibles. Et comme je disais, le plus important, c'est que le chirurgien soit sûr du résultat qu'il peut obtenir et garantir ses résultats, que ce soit par voie ouverte ou par voie fermée. La voie ouverte a la réputation de nécessiter un temps supplémentaire, des temps opératoires, des nécessités des sutures et des greffons cartilagineux supplémentaires et d'avoir une période post-opératoire un petit peu plus prolongée. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec tous ces préjugés. J'estime que tout dépend du geste qui a été réalisé et qu'une rhinoplastie fermée peut être autant ou plus invasive qu'une rhinoplastie ouverte. Dans mon cas personnel, je privilégie les voies fermées pour les rhinoplasties esthétiques relativement simples. Et surtout lorsqu'il s'agit de corriger l'arête nasale. Et je privilégie les voies ouvertes pour les cas plus complexes, les cas secondaires, ou lorsqu'on doit faire beaucoup de travail très précis au niveau de la pointe nasale.